Totalement raccord avec la chronique de notre volubile ami Yannick Dahan sur Spider-Man New Generation. Spider-Man New Generation, c'est un chef-d'œuvre. Non. C'est un magnifique hommage à Spider-Man. Non. C'est un super film de super-héros moderne. Et c'est justement parce que l'on est d'accord avec lui que l'on voulait ajouter deux petites choses à sa chronique. En premier lieu, il faut parler des suppléments du Blu-ray qui vient de sortir. Car même si les modules making-of n'ont pas grand intérêt, Sony propose une version alternative du film qui inclut toutes les scènes coupées avec un excellent travail sur le son et sur les raccords images. Et puis il y a la sortie française de tout l'art du film chez High Comics, un art-of blindé ras la gueule d'images conceptuelles, parmi lesquelles nous retenons plus particulièrement les designs très typés des personnages signés Shi Hyun Kim ou les décors qui peuvent rappeler le street art. It's not always about the money, Spider-Man. Et c'est sur ces jolis dessins que le grand frisson se referme pour aujourd'hui. Pour résumer, parce qu'on est fou de Mario Bava, procurez-vous la belle édition de Une hache pour la lune de miel, parce qu'il faut soutenir les petits films étranges, donner leur chance à tous les dieux du ciel et meurt monstre meurt. Si ça se trouve, Jean Reno vous a donné envie d'aller voir Cold Blood Legacy, alors écoutez-le, parce qu'il y a du cœur sous ses blousons de cuir, enrôlez-vous dans les Angels of Chaos. La semaine prochaine, on parlera d'un formidable thriller belge et on retournera à Marouen. Hell yeah.